salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Nous vous connaissons très bien maintenant et nous souhaitons que vous vous connaissiez plus pleinement comme nous le faisons. Nous souhaitons que vous vous connaissiez non seulement en tant que concept, mais que vous sachiez ce que vous pensez et ressentez et comment vous vibrez. Car nous savons à quel point ces choses sont importantes pour vous. Par conséquent, nous insistons souvent sur le fait d'être ancré, présent, hydraté et pleinement conscient. Et vraiment, ce sont les seuls vrais endroits où vous commencez à grandir spirituellement. Et puis, vient la partie la moins facile. Lorsque la vie vous lance un défi et que vous ne savez pas comment le gérer, la première étape est toujours de vous abandonner à votre propre création, car c'est de cela qu'il s'agit. Vous avez créé la circonstance et l'événement, l'émotion, la personne qui se tient là devant vous et vous dit quelque chose. Oui, ils sont tous de votre création, alors autant commencer par vous abandonner à ce qui est. L'acceptation est la clé. Et ensuite, vous pouvez procéder au changement. Vous pouvez changer la façon dont vous vivez quelque chose, plutôt que de vous plonger directement dans un raisonnement de type « Comment puis-je changer cela ? Comment puis-je le faire disparaître ? Comment puis-je améliorer les choses ?» Au lieu de cela, modifiez votre perception de ce qui se passe afin d'avoir plus de compassion pour vous-même et pour toutes les personnes impliquées. La troisième étape consiste à traiter, ressentir, libérer tout ce qui subsiste de ce choc initial dans votre système que vous avez subi pour avoir manifesté quelque chose de non désiré dans votre vie. Et oui, nous nous concentrons en ce moment sur ce que vous manifestez comme étant indésirable. Et ensuite, vous pouvez passer la quatrième étape, vous guérir vous-même, en vous donnant ce dont vous avez besoin, en communiquant avec les autres personnes impliquées au sujet de l'expérience. Et lorsque tout ce qui vous choquait au départ aura été effacé, vous pouvez créer quelque chose de meilleur, quelque chose de nouveau. Vous pourrez développer un nouveau plan, une nouvelle façon de communiquer. Vous pourrez vous efforcer d'être plus conscient afin de vous rattraper avant de créer quelque chose de similaire à l'avenir. Et puis, avant votre dernière étape, vous pourrez vous détendre et savoir que c'est fait. Sachez que ce que vous diffusez vous reviendra, que tout ira bien et que vous serez un créateur plus conscient. Et quand ce n'est pas le cas, vous devez aussi vous pardonner. Vous devez vous pardonner, ainsi qu'à toutes les autres personnes impliquées, lorsqu'il y a une discorde quelconque, lorsqu'il y a un faux pas et que vous vous désalignez, que vous créez quelque chose pour vous-même et éventuellement pour les autres que vous ne vouliez pas. Le pardon est si important parce que vous n'allez pas devenir la meilleure version de vous-même simplement en vous réprimandant pour tous vos faux pas. Vous n'allez pas vous améliorer en vous sentant mal. Non, seul le pardon, l'acceptation, plus de conscience, un nouveau projet sont les moyens de créer la meilleure version de vous-même et de la nouvelle terre
avec tous ses magnifiques habitants, en co-création, consciente et délibérée. C'est ainsi que vous naviguerez dans vos vies, et en particulier dans cette année très puissante qui s'en vient pour tous sur la Terre. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment. Merci.